On a choisi une musique qui est entraînante et qui est pratique au niveau de la structure pour avoir des repères musicaux. Et donc je l'ai proposé aux usagers qui ont tout de suite attesté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire les pas dessus maintenant. Donc en fait, vous allez découper la chorégraphie morceau par morceau, c'est comment? Voilà, on va faire, on découpe. Alors quand on fait une chorégraphie, on pense couplet, refrain. Donc voilà, il y aura des morceaux, des enchaînements sur le couplet, des enchaînements sur le refrain. Et après, on essaiera de trouver une mise en scène pour que ça ressemble vraiment à un flash mob comme on peut en voir partout. La chorégraphie, une fois terminée, sera filmée. Ce qu'on appelle un tutoriel va être fait, monté et monté sur Internet, diffusé sur Internet via YouTube certainement. Et donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer aux ateliers prévus pourront répéter chez eux. Et il y aura des répétitions générales de prévues pour s'associer le plus possible avant le 4 mai.